Hello mes bris, j'espère que vous allez bien. Une vidéo différente aujourd'hui puisque pas de voix off, je vous explique tout au fur et à mesure de la vidéo. Je vous présente les ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser cette recette. Et comme d'habitude, je vous laisse le détail en barre d'infos. Donc il vous faudra du beurre mou, de préférence demi-sel, ça relève le goût chocolaté de votre gâteau. Du sucre. Donc vous pouvez très bien partir sur du sucre tout court, du sucre blanc tout court, mais pour beaucoup plus de moelleux, moi je fais toujours moitié-moitié, donc moitié cassonade, moitié sucre blanc. Il vous faudra ensuite 4 œufs, du cacao non sucré, et la petite astuce, je vous la donne pour avoir un vrai gâteau au chocolat, un vrai gâteau onctueux, il faut toujours associer donc le chocolat fondu et le cacao non sucré, puisque le cacao non sucré tout seul a tendance un petit peu à assécher votre gâteau. Donc pour ma part, c'est ce que j'ai constaté à chaque fois que je faisais un gâteau au chocolat qu'avec du cacao non sucré. Il vous faudra de la farine, et l'ingrédient qui va sûrement vous surprendre. Donc j'ai testé avec du lait et de la crème fraîche, mais je n'ai pas obtenu le résultat vraiment onctueux que je souhaitais. J'ai réalisé donc cette recette avec du lait fermenté, donc du leuben. C'est ce qui va apporter vraiment toute l'onctuosité de ce gâteau. Donc c'est parti pour la recette. On va commencer par crémer le beurre. On crème le beurre tout seul, dans un premier temps au batteur électrique ou au fouet. Voilà, là on a détendu notre beurre qui était déjà mou, donc on l'a un petit peu crémé, et on va venir rajouter donc le sucre. Donc le sucre roux, donc la cassonade, et le sucre blanc. Donc une fois qu'on a bien incorporé notre sucre, donc là il est bien incorporé, on va venir casser nos œufs un par un. Donc on ajoute un œuf, on bat, le suivant, on bat, et ainsi de suite. Ajouter nos œufs, on va venir ajouter notre lait fermenté, donc le leuben, et notre chocolat fondu. Donc là, j'ai fait fondre mon chocolat et je le rajoute en même temps que le lait fermenté. On vient ensuite ajouter une cuillère à café de levure chimique, et pour encore plus de moelleux, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Donc je ne vous l'ai pas présenté au tout début, donc petit oubli de ma part, on le fait au même moment que la farine et le cacao. Craving the sound.
Donc on va venir ajouter une cuillère à café de levure chimique. Et une cuillère à café de bicarbonate. Et on vient mélanger le tout. Voici la consistance que votre gâteau doit avoir. Donc, on transvase notre pâte dans un moule, donc un moule à cake que j'ai beurré et que j'ai recouvert donc de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Par-dessus notre cake au chocolat, on va venir déposer une ganache au Nutella. Donc pour ça, il vous faudra donc du chocolat au lait pâtissier, de la Nutella et de la crème liquide entière qu'on va venir réchauffer. Donc on va venir faire fondre le tout, donc le Nutella et le chocolat au lait pour ramollir le tout. Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. J'ai récupéré mon chocolat et mon Nutella, donc que j'ai mis à fondre au micro-ondes. J'ai mis 50 secondes, pas plus, pour éviter en fait de faire brûler notre chocolat. Donc même s'il reste des petits morceaux, on va venir faire fondre ces petits morceaux avec notre crème entière que l'on va venir chauffer aussi. J'ai récupéré ma crème entière donc chauffée, on ne porte pas à ébullition, on vient juste la chauffer, donc il faut qu'elle soit bien chaude de manière à faire fondre notre chocolat, donc les petits morceaux de chocolat qui nous restent. On va venir incorporer la crème en 3 fois. Ajoutez ça pour éviter que ça glisse. Donc, première fois, seconde fois. On attend un petit peu pour faire fondre le chocolat. Et on mélange du centre vers l'extérieur. Voilà, notre ganache au Nutella est prête. Je vais venir la filmer et la réserver au frais minimum 1 heure. Notre gâteau est cuit. Donc je l'ai laissé à peu près 40 minutes à 170-175 degrés en fonction de votre four. Donc vérifiez bien votre cuisson à chaque fois. Donc cela dépend vraiment de votre four. Pour moi donc c'était 175 pendant 40 minutes. Donc j'ai vérifié ma cuisson, donc un peu partout, donc j'ai piqué. Et il suffit juste de piquer une lame de couteau et elle ressort du coup sans pâte au chocolat. Donc il est un petit peu humide parce qu'on veut garder un gâteau quand même qui soit onctueux et pas sec. Donc j'ai piqué un peu partout et je n'ai pas de pâte au chocolat sur ma lame de gâteau, donc cela veut dire que votre gâteau est cuit. On va le laisser refroidir et on va s'attaquer aux autres préparations.
On va venir réaliser maintenant le glaçage rocher. Donc c'est le glaçage qui va donner toute la gourmandise à notre gâteau au chocolat. Donc pour ça, il vous faudra du chocolat. J'ai fait moitié chocolat au lait, moitié chocolat noir pour éviter que ce soit trop sucré puisqu'on a une ganache au Nutella par le dessus. Mais vous pouvez très bien faire tout chocolat au lait ou tout chocolat noir si vous avez que ça. Ensuite, il vous faudra du pralin. Donc moi, je l'ai pris déjà fait en grande surface. Donc il se présente comme ça, au rayon pâtisserie, donc avec la farine, le sucre et les préparations alimentaires. Il vous faudra ensuite de l'huile de pépins de raisin. Donc c'est cette huile-là qu'il faut pour le glaçage rocher, pour avoir tout le brillant du glaçage rocher. Donc l'huile de pépins de raisin, pareil, en grande surface, donc on la trouve facilement. Et c'est celle-ci. Donc dans un premier temps, on va venir faire fondre notre chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Notre chocolat est fondu. Je vais venir verser l'huile et émulsionner le tout. Donc on fait comme la ganache, on incorpore l'huile tout en remuant. Donc là, notre huile pépin de raisin est bien incorporé à notre chocolat fondu. On vient tout simplement ajouter notre pralin. Notre glaçage rocher est prêt. On va venir le verser sur notre cake au chocolat que j'ai laissé volontairement dans son moule. Donc c'est vraiment pour garder toute l'humidité et toute l'onctuosité en fait du gâteau. Et on va venir le démouler. Donc l'avantage donc du papier sulfurisé, c'est vraiment une facilité de démoulage. Notre gâteau donc ne colle pas et a une jolie forme. Pour fourrer le Nutella dans notre cake, je vais utiliser ce genre de seringue donc que vous pouvez trouver à Action. Elle se vend avec ce genre d'embout. Mais vu que j'ai pas fait chauffer mon Nutella, du coup le Nutella passe pas très bien dans l'embout, donc il est un peu trop fin. Je vais venir l'incorporer directement avec l'embout de la seringue. Je vais commencer déjà par piquer pour faire l'emplacement. Et on va venir fourrer donc le Nutella au centre de notre cake pour avoir donc un cœur fondant et coulant de Nutella. On va maintenant venir faire couler notre glaçage rocher. Donc il a légèrement épaissi. On va venir donc le faire couler donc sur les bords. J'ai récupéré ma ganache au Nutella, donc qui a bien refroidi donc dans mon frigo. Je l'ai laissé à peu près 2 heures et là je vais venir la monter au batteur. Et voilà, on obtient une belle mousse au Nutella que l'on va venir mettre dans une poche à douille pour décorer notre cake au chocolat.
J'ai choisi un embout cannelé, mais vous pouvez très bien choisir l'embout qui vous plaît ou tout simplement le faire juste à la poche à doule. Je vais venir décorer deux feuilles d'or. Donc on a une belle découpe de notre intérieur, comme vous voyez le Nutella qu'on a incorporé tout à l'heure à la seringue. On se quitte avec l'image de cette belle découpe bien gourmande. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous mes bris. Gros bisous.